affaires. Ministère public et l'État qui n'est représenté par l'agent judiciaire de l'État contre M. Amadou Damaro Camara, sous mandat de dépôt du 27 avril 2022, M. Michel Kamano, Mme Zeynep Camara, M. Jinshue Cheng, tous membres détenus, poursuivis pour détournement des données publiques, enrichissement du guichet, blanchiment des capitaux, corruption dans le secteur public et privé, prise illégale d'intérêts et complicité. Voilà ce qui s'est passé, Monsieur le Président. Nous avons fait faire des évaluations à la SEG et à l'EDG. Si j'ai bonne mémoire, ça devrait être vers le mois de juin-juillet 2021. L'EDG, j'ai interverti la dernière fois, c'était l'EDG qui était de 357 millions et la SEG de 750 millions. L'EDG a pu réaliser, et vous avez l'échec, 291 millions et 114 ou 117 millions quelque part. Vous avez les photocopies des chèques que l'EDG a envoyés par son sous-traitant, sa structure qui a réalisé. Quant à l'EDG, la SEG, qui nous avait informé qu'à cause de la pluie au mois de juillet-août, ils allaient attendre la fin de la pluie pour réaliser. Entre-temps, il y a eu le changement de régime. Ils ont arrêté, mais ils n'ont pas envoyé le chèque à l'encaissement. Mais le programme a été repris cette année par le CNT, qu'il a réalisé, je crois, ils ont dû prendre d'autres options, à 1,8 milliard et quelques. Mais à ce jour, c'est fait. Oui, la deuxième question. Oui. Oui, mais c'est par chèque du même compte. Non, je dis à l'EDG. C'est le chèque signé par moi. Ne lui faites pas dire ce que vous pensez. Non, le chèque est signé par moi, Monsieur le Président, à l'EDG. La provenance est sur le compte. Mais ça ne peut provenir, monsieur. Je dis bien, Monsieur le Président, si je dois me répéter, à l'EDG, il y a un chèque signé par moi de 291 millions et de 117 millions, quelque part, 117 pour les levées topographiques et la réalisation même avec tout le détail de la facture. Vous voyez le plan? Vous avez le plan? Vous avez le chèque de 291 985 733 et un autre chèque de 116 ou 117. Je vous dis que la SEC n'a pas pu faire en notre temps. Entre-temps, il y a eu les événements. Et c'est le CNT qui a dû le faire avec un montant un peu plus différent. Voilà, 117. Voilà. Vous avez un chèque de 117, 480 000 pour le lever. Et un chèque de 291 985 pour la réalisation des photos et tout le détail est donné. Vous savez qu'il y a eu des fonds payés à la SEC et à l'EDG, n'est-ce pas? Monsieur le Président, on devrait payer à la SEC. Ils ont dû recevoir le chèque sans cacher, sans présenter le chèque, parce qu'ils n'ont pas réalisé les travaux et entre-temps, il y a eu le changement de régime. Mais
le CNT a repris avec la SEG pour le réaliser. Nous, on a été évalués à 750 et apparemment, d'après ce que j'ai vu la dernière fois, le CNT l'a réalisé à 1,8 milliard et quelques. Ils ont dû ajouter d'autres options. Autre question. Pourquoi le surplus? De quoi? Le surplus de 15 milliards incriminés, à savoir 801 195 000 67 francs. Quel 801 000? Je ne vois pas. Le montant total est illégalisé. Pourquoi? Ce qui est venu. Je ne vois pas. Tout, après, tout est calculé. Non, regardez le relevé bancaire, monsieur le président. Au jour où on payait les 15 milliards, il y avait 257 millions au compte, comme solde. 257 millions. Oui, 919, 285. Et les 15 millions ont été payés. 15 milliards ont été payés. Je me souviens bien, quand vous avez demandé à ce que la Banque centrale envoie à partir du paiement des 15 milliards. Voilà. Et quel était le solde? Vous avez précisé quel était le solde ce jour. Et le solde était 257 millions. Il nous arrivait de ne pas laisser la caisse totalement vide, même si on devrait faire une avance demandée à la Banque centrale. Oui, monsieur le président. C'est une seule parcelle à Matoutou. Le total des parcelles à Matoutou. À Matoutou, j'ai une seule parcelle. Oui, oui, c'est la seule maison que j'ai. Ah, de Damaro à Matoutou, vous avez combien de parcelles? Je n'ai pas compris. De Damaro à Matoutou, vous avez combien de parcelles? Mais c'est ce que je vous ai donné là, monsieur le président. Par exemple, la plantation était mienne avant la parcellisation. Vous savez, on peut avoir un champ. Quand la parcellisation l'atteint, le gouvernement vous demande à ce que la direction de l'urbanisme, comme on peut l'appeler, vous demande à parcelliser, ils retiennent une partie, etc., etc. Voilà ce qui s'est réellement passé pour ce qui concerne... C'était coutumier. Et vous allez voir... même à côté d'une certaine Hayamawa. Hayamawa est la sœur de l'aide de ma mère. C'était un peu un héritage que j'ai pris ça de ma mère. C'était les filles du dernier chef de canton, c'était leur terre. Alors c'est la partie de ma maman qui a été parcellisée à moi. Il n'y a pas de parcelle à Damaro, ça c'est la concession familiale. Je n'ai pas donné là-bas. Ça c'est la concession du grand-père qui avait 30 fils, si vous voulez le savoir. Donc je ne peux pas prétendre. Oui, monsieur le président. Oui. Merci, monsieur le président. J'ai dû largement m'en expliquer la dernière fois. Premièrement, j'ai travaillé à la Banque centrale jusqu'en 85, il y a 38 ans, donc j'ai quitté toute forme de gestion
de fonds publics en Guinée. Je suis, comme je vous ai dit, quand j'ai été arrêté dans le Koudjara à ma sortie en 88, j'ai dû vendre des propriétés de famille, surtout de ma mère, pour m'associer afin d'établir une banque. Et je vous ai dit la dernière fois que l'actuelle succursale principale de la Banque centrale devrait être notre siège. Elle devrait être la quatrième banque privée après la Société Générale, Bisigui et là où il y a Laura Bank aujourd'hui. Notre banque devrait être la First American Bank. Ça n'a pas marché pour d'autres raisons. Donc, en 1996, je me suis exilé aux États-Unis avec mes enfants. Et je suis revenu en 2010. J'ai dû travailler, les enfants ont dû travailler, mes épouses ont dû travailler. Et si je dois encore préciser, tous mes enfants, au nombre de 8 à peu près, qui ont fini l'université, aucun d'eux n'est à la fonction publique. Donc ce sont des fonds venus vraiment dans des diverses activités. L'agriculture, et je vous ai dit par exemple qu'en 2001, je ne connais pas de Guinéens qui avaient autant produit de riz que moi en Guinée, en privé. S'agissant des camions, oui. déclariez avoir acquis, oui. En quelle année les avez-vous acquis? Je crois en 2013. Vous avez des documents qui attestent? 2013, je ne sais pas, mais comme je vous ai dit, hein, j'avais tous les documents, mais je dois vous avouer que quand on m'a expulsé de ma maison en 12 heures de temps, on a dû prendre tous mes documents, les papiers, selon les résidents de mes épouses. Donc, je suis venu, j'ai acheté 2 ou 3 bennes, je crois. J'ai commencé avec ça. Mais quand on est parti en 2014 à l'Assemblée, en tant que président du groupe, je ne pouvais plus suivre. Entre-temps, mon fils est rentré et les camions étaient d'ailleurs pratiquement gâtés parce qu'on ne pouvait pas les suivre. Et lui, il a pris des dettes. Vous avez quelques documents qui attestent les transactions passées pour acquérir? Mais ce que je vous dis, ça... Si vous pouvez. Non, si je peux, je peux vous aider, mais je peux vous dire que ma résidence principale était à la minière. Tous mes documents étaient là-bas. Mais quand on vous dit, monsieur le président, vous comprendrez, un samedi à 12 heures pour dire dimanche, vous devrez libérer une maison où vous avez siégé pendant 40 ans, c'est difficile. Je ne sais pas donc où je peux vraiment fouiller et vous dire avec certitude où je peux trouver ce genre de documents. Avez-vous la preuve des biens ou du contrat conclu avec les sociétés minières? Ah oui, je crois que pour mon fils, mais pas moi. Parce que j'étais en sous-traitance. Il y avait un certain monsieur Kaba qui transportait pour. C'est l'UMC, hein, de Fabi, IMS. Voilà, UMS, il y avait un certain M. Kaba, qui était le principal transporteur au début des années 2013-2014, et qui n'avait pas autant de camions que c'était nécessaire. Et chacun venait avec ses 2 ou 3 camions. Il n'y avait pas de contrat direct avec le minier. Tu transportes, il te donne, il retire dans ton argent le carburant qu'il t'a offert et te donne le reste de l'argent. C'était un peu à l'informel comme ça, que jusqu'à présent, peut-être d'ailleurs, c'est comme ça que ça se passait.
Mais moi, je n'ai pas, de 2013 à 2014, en janvier 2014, l'Assemblée, la 8e législature a été installée en tant que président du groupe. Le petit temps que j'ai fait sans pouvoir contrôler, je dois vous avouer que les chauffeurs ont fait ce qu'ils ont pu et puis... Autre question. La concession de votre tour. Oui. La vente a été faite, effectuée donc le 23 août 1995. 95, oui. Et signée par vous-même. Oui. Le 21 septembre 2015. Non, 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 c'est 95 toujours, pas 2015. C'est un peu mal écrit, le 9, c'est 95. Oui, oui. J'ai bien vu ça, mais c'est 95. On l'a loué d'abord, ensuite je l'ai acheté. On a voulu constater l'écart. Non, 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 c'est toujours 2015. C'est 9 qui est écrit un peu, on est fantaisiste, sinon c'est 2015. Ouais. Vous voyez la même date. Oui, oui. Voilà. C'est 95. Oui. Non, c'est 95. Voilà, on a l'impression que c'est... Ah, c'est 1. Oui, mais c'est 95. C'est écrit avec Fantélie. Non, bon, j'écris très mal. Voilà, d'accord. Est-ce que c'est pas la tête d'un bien qui vous a écrit? D'accord, c'est bon. D'accord. Monsieur le président, ça veut dire que la tête, moi je vais amener, quand il est là, comme ça, on va pas. Il faut voir bien. Monsieur Amadou Damaros. Oui, monsieur le président. À la lecture du tableau détaillé des opérations sur le compte de l'Assemblée nationale, oui. Du 10 juillet au 31 décembre 2021, oui. Avec les informations sur les différents bénéficiaires des sorties de fonds et de provenance des entrées, oui. Et la provenance des entrées. Oui. Nous constatons qu'une certaine madame Aïssata Diallo, oui, a été bénéficiaire et le montant totalisé à hauteur de 11 milliards. Oui. Sur les 15 milliards. Non, madame Aïssata Diallo est la trésorière. Elle n'est pas bénéficiaire. Elle est la trésorière qui retire les fonds en espèces quand on doit payer ce qui doit être payé. Même les avantages des députés sont payés en nature. C'est les salaires qui sont directement versés sur le compte directement. C'est pourquoi elle est toujours là, madame Assetou. Elle fait ça depuis 26 ans. Elle n'est pas prestataire. En faveur des... Vous avez mis des chèques en faveur des sociétés. Oui, toutes les sociétés formalisées. Vous savez, quand notre équipe est arrivée, après le règlement intérieur, on a fait un règlement financier, un règlement administratif et un code de procédure, un manuel de procédure, pardon. Et en fonction de ça, toute société formelle qui paye des impôts régulièrement au trésor sont payés par chèque. C'est pourquoi certaines sociétés, connues comme telles, nous exigeons à ce qu'elles soient payées par chèque. Ça nous laisse la preuve aussi de les contrôler. Auprès de quelle banque? Ouais. Non, la banque centrale.
Elle a été payée à la... Est-ce que cela ressort? Oui. Les 291 sont payés le 14 juillet. 200 à Kim. Ah, ok. C'est un peu... Vous allez accepter que je revienne un peu sur ça? Oui, mais où on peut lire ça ici? Non. Elle a été payée en 2020. C'est là où, la dernière fois, le procureur, c'était pas devant cette cour, a dit que j'ai dit que les fonds de l'Assemblée nationale, je les considérais comme ma poche. Heureusement qu'il dit qu'il n'aime pas qu'on me fasse dire ce qu'il n'a pas dit. J'ai dit, quand on a deux fonds d'une même entité versés dans le même compte, même ordonnateur, et que l'ordonnateur est comme deux poches d'un même boubou. Ensuite, dans l'ordonnance de renvoi, on dit que ce qu'ils appellent détournement, c'est de n'avoir pas, d'avoir utilisé une partie des fonds alloués à la construction pour le paiement des indemnités. Je suis très heureux de dire que nous avons été installés en avril, le 21 avril 2021, les fonds qui nous ont été alloués pour notre installation, je crois que c'était 50 millions par député, si je ne m'abuse, et 2 milliards de fonds de souveraineté pour le président de l'Assemblée. Mais ce jour, les Chinois qui nous ont accordé un don de 40 millions de dollars devraient se fâcher s'ils n'avaient pas une parcelle viabilisée sur laquelle ils devraient faire leurs études. J'ai donc reporté ma prise de ces fonds et j'ai payé les 2 milliards, à peu près 1 milliard 800, à la société de Kim. Le premier chèque datait de juillet, donc moins de 3 mois après mon installation. Et le deuxième chèque datait de d'août, toujours 2020 plutôt. Et les 15 milliards n'ont été payés qu'un an après, en juillet 2021. Je ne me vanterai pas, mais je ne pourrais pas compter sur une longue liste des fonctionnaires guinéens ou des cadres guinéens qui renonceraient à 1 milliard 800 pour sauver l'honneur ou pour sauver un bien qui a été attribué à l'État, surtout quand je me suis adressé officiellement au président de la République pour lui dire qu'on a besoin d'aide pour faire face à ses besoins urgents, il m'a fait dire qu'il n'y avait pas d'argent. Donc 40 millions de dollars contre moins de 200 000 dollars en ce moment pour pouvoir faire la parcelle, j'ai choisi de renoncer et de récupérer éventuellement un peu plus tard. C'est ce que j'ai fait. Monsieur le Président, dans un pays où les vertus sont combattues et les vices sont encouragés, il est difficile de croire à ce genre de choses. Mais encore une fois, quand les services rendus sont énormes, l'ingratitude est la seule récompense. Oui, monsieur le Président. Lisez bien le tableau détaillé des opérations sur le compte de l'Assemblée. Le récapitulatif ou bien le... Oui. 6 août 2021, oui. Laissez-moi retrouver le... Vous dites le 6 août 2021, vous dites?
Oui, 2021, oui. Nous retenons combien comme ça? 181 millions, non, 2 milliards 779. Sur les 15 milliards? Oui. Oui. Vous voulez de l'explication? Ça veut dire que 12 milliards et quelques ont été calculés. Ok, monsieur le Président, c'est toujours aujourd'hui, en tout cas, les questions sont très bonnes. Il faut que je revienne pour une minute, qu'il vous plaise, d'expliquer un peu comment les fonds sont gérés à l'Assemblée nationale. J'y suis resté pendant 12 ans. Ce ne sont que des subventions. Les subventions ne sont pas nomenclaturées pour dire ça, c'est cette ligne. Les encres, c'est cette ligne. Les feuilles, c'est cette ligne. L'eau, c'est cette ligne. Non. On vous donne un fonds. Ce qu'on vous demande, pourvu que votre institution fonctionne. Les 15 milliards, quand les 15 milliards venaient, on ne payait plus. Pas nous seulement, mais personne. Au niveau du gouvernement, il y a des ministres qui sont pleins à moi. Le président a ordonné de donner 1 milliard par ministère. Quand 3, 4, 5 ministres ont pris, il a dit de bloquer. Il y a d'autres ministères qui n'ont pas eu. Donc pratiquement, 2021 a été géré comme ça. Personne n'a géré plus de 15% de son budget. L'argent qui devrait être payé depuis avril n'a pas été payé quand les 15 milliards ont été payés le 12 juillet 2021. Qu'est-ce qu'on fait? Tout ce que nous recevons, ce sont des subventions. À quoi ça sert? Premièrement, le fonctionnement normal de toute administration. Et puis, quand l'équipe dirigeante a des visions, vous essayez de réaliser ces visions en vous débrouillant, le mot n'est pas exagéré, en vous débrouillant dans la subvention qu'on vous amène, parce qu'il n'y a pas de subvention, c'est des subventions de fonctionnement, il n'y a pas de subvention d'investissement. Et si vous regardez dans le relevé de compte, ou même dans le détail, on a eu ici là, 3 subventions. Une subvention d'investissement de 15 milliards, une subvention de spéciale pour la session extraordinaire de 4 milliards, c'est le procureur, et une subvention des 2 en retard de 28 milliards. Quel était notre plan? Comme je vous ai dit, tout prestataire de l'Assemblée devra avoir une surface financière suffisante pour réaliser les travaux et être payé par trimestre. Et le programme était quinquennal, le temps de la législature. Donc les réalisations sont bien au-delà de ce que nous avons sous la main. En se disant, nous allons avoir le trimestre prochain une subvention, nous allons payer. Le trimestre suivant, nous allons avoir une subvention, nous allons payer, mais réaliser. C'est ainsi qu'on a rénové, monsieur le Président, tout le Palais du Peuple. J'étais à l'inauguration du Palais du Peuple en 68. J'ai vu ce bâtiment en 68. Ce que nous y avons fait, pendant les 50 années de sa vie, ça n'a pas été fait auparavant. C'est pourquoi le CNT est royalement installé aujourd'hui. À part ça, monsieur le Président, on a entamé une digitalisation à l'Assemblée. On était au point, on avait numérisé, et sur le site de l'Assemblée, on pouvait avoir accès à toutes les lois votées en Guinée depuis l'Assemblée territoriale de 1957. Deuxièmement, les députés en octobre ne devraient plus lever la main
pour demander une question ou pour voter. Ça, ce sont des programmes que nous avions commencé à réaliser. Donc, toute subvention qui nous venait, on faisait quoi? Un plan de trésorerie. Voilà ce que nous avons. Nous n'avons jamais ce que nous avons besoin, mais on faisait avec ce qu'on a. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un plan de trésorerie. Combien on paye en dette? Combien on paye en prime? Non, les primes étaient fixes. Combien on paye en assistance sociale, etc., etc. Ce plan de trésorerie variait d'un trimestre à un autre. Il y a des trimestres où vous avez la session au Parlement panafricain. C'était 6 personnes et pour 45 jours. Vous avez 6 autres personnes au Parlement de la CEDEAO pendant 40 jours. Pendant cette période, on accordait la priorité à ces voyages. Et parfois, on était obligé de recourir au président pour qu'il finance ce genre de voyage dans ses fonds de souveraineté. Et par peur, et tellement nous voulions réaliser cette vision de l'équipe, monsieur le président, en 16 mois, moi j'ai renoncé même à tous les voyages, j'ai fait un seul voyage à Freetown. Donc, les 15 milliards sont tombés, si vous voulez, dans le désert. Donc, on l'a utilisé. Et la subvention qui a suivi, on a essayé de commencer à reconstituer. C'est pourquoi vous avez eu 6 milliards venus, 500 millions venus des 4 milliards et le reste venu des 28 milliards. Et les 28 milliards, pour terminer, monsieur le président, c'était la première subvention totale. Sinon, j'avais écrit de retenir 8 à 9 milliards pour justement la rénovation, dans lesquels moi j'avais droit par trimestre à 7 milliards. Les 28 milliards ont commencé par ce paiement-là et je devrais avoir 7 milliards de fonds de souveraineté. Je ne les ai pas pris, monsieur le président. Monsieur Tamoul. Oui. Dans toutes vos déclarations, vos dépositions, vous n'êtes pas en train d'intervenir par analogie, n'est-ce pas? Non, non, non. Vous parlez des faits. Mais absolument. Auxquels vous êtes poursuivi. Absolument. Et quand nous sommes là, depuis le début, depuis votre comparution, d'abord depuis l'hôpital jusqu'ici, vos droits à la défense ont été affectés? Non, alors pas du tout. Okay. C'est une pas du là, tout. C'est une faison. Vous pensez que c'est maladroit? Non. Monsieur le Président, excusez-moi. Mais alors, pas du tout. Voilà. C'est en Guinée, on fait ça, n'est-ce pas? C'est en Guinée, pas ailleurs. Faire quoi? C'est en Guinée que nous sommes en train de gérer cette procédure. Ah oui. Voilà. Et que vous-même vous appréciez, n'est-ce pas? Franchement. C'est l'occasion de vous dire. Franchement, je vais vous dire que je peux ne pas respecter un magistrat, mais je respecte la justice. Merci. Et la dernière fois, on a voulu mal m'interpréter. Quand j'ai dit que je vous félicite, je ne vous félicite pas. Mais je respecte et je respecte cette cour. Et je crois que vous avez dû sentir ça depuis voilà. Que vous avez commencé à comparer. Je voudrais vous poser une question. Oui. Tout à l'heure, vous avez dit dans un pays qui ignore les vertus et encourage les vices. Il s'agit de quel pays? Non, monsieur le Président, je dois vous avouer que la culture de l'humiliation, c'est notre pays. Hein. Je suis guinéen depuis 71 à presque 72 ans. Mais la culture de l'humiliation dans ce pays-là s'est installée. Ne prenez pas le mot en mal, mais je dois vous avouer qu'aujourd'hui, les personnes honnêtes dans l'exercice, surtout de la gestion des fonds, sont considérées comme des maudits. C'est la culture, ça n'a rien à voir avec la justice ou la chose, mais c'est ça la culture du pays. Si tu ne voles pas, on te traite de maudit. Et je dois vous avouer, quand j'ai dit à mon équipe pour dire, pas avant qu'on réalise tout ce que nous devons faire, il n'y aura pas
de primes supplémentaires ou de bonus aux membres du bureau, etc. etc. Là, vous voyez que tout le monde n'était pas content, mais ils m'ont accompagné, ils m'ont suivi. C'est ce que je veux dire. Ça n'a rien à voir avec, avec la juridiction. Non. Et si vous prenez comme ça, je m'en excuse. Absolument. Donc faisons très attention avec vos propos, parce que vous ne pouvez pas attenter à l'image du pays pendant que vous êtes en justice. Évitez ça. D'accord. Soignez vos propos. C'est compris, monsieur le président. Parce que vous venez d'apprécier, je vous ai toujours dit depuis l'hôpital qu'il vous est interdit de me féliciter même parce que j'ai fait mon devoir. Je suis d'accord, monsieur le président, je retire le mot. Vous avez toujours respecté. Attendez, attendez. Je fais mon devoir. C'est le contraire qui est une malédiction. Si je fais le contraire, c'est de la malédiction. Parce que j'ai prêté serment pour cela. Et c'est mon devoir. On n'a pas à être applaudi pour ça. Et c'est en Guinée que ça se passe. C'est en Guinée. C'est ça. C'est ce que la loi guinéenne nous a dicté. Et c'est la démarche que nous devons observer. S'il y a, sous d'autres cieux, des comportements particularistes dans le sens de votre description, gardez ça pour vous. Je vais le faire, monsieur le président. Au moment où vous ne serez plus là, ouais, vous pouvez faire vos commentaires. Encore qu'il faille aussi vous retenir parce qu'on risque d'être poursuivi par des personnes qui auraient été victimes de vos propos. Faites très attention. Monsieur le président, c'est compris. Nous ne vous accusons pas. C'est compris. Mais notre devoir, c'est de vous interpeller sur les propos. Ouais. Soignez les propos. C'est compris, monsieur le président. Et mais encore vous pouvez vous concentrer sur votre défense. Parce que, allons au fait, produisez les faits, nous vous restituons le droit. Merci, c'est-à-dire monsieur le président. Nous allons restituer au fait le droit à profiter. C'est cela. Merci. Ça va nous distraire inutilement. Merci, monsieur le président. Concentrons-nous, s'il vous plaît. Personne ne nous a dit que vous êtes. Nous d'ailleurs, est-ce que ça transparaît dans nos démarches que vous êtes coupable ou non? Non, nous non. Cherchons à poser les questions. Nous dissimulons la parole pour que chacun nous aide à mieux comprendre. Et enfin, la Cour appréciera, c'est tout. Monsieur le Président, je retire mes mots, mais l'intention n'était pas du tout d'offenser la Cour. Alors, pas du tout. D'accord. Merci bien. Ouais. La Cour prend acte et voilà. On va avancer pour ne pas être distrait. Voilà. Merci. Donc, merci beaucoup. Je vous en prie. Et comme je disais, Monsieur le Président, quand on a les subventions, on fait... N'importe quelle subvention, on fait un plan de trésorerie. Et c'est dans le même compte, pour la même entité. Et la question qu'on devrait se poser, ou que je me suis posée, et c'est l'honorable Dean qui m'en a donné la formule. Il m'a dit, Damaro, il faut être à la fois intelligent, monsieur le président, il faut être à la fois intelligent et sage. Intelligent pour éviter les problèmes, pour régler les problèmes, et sage pour les éviter. Imaginez-vous que la Chine nous demande en 60 jours le terrain sur lequel nous avons fait nos études, vous nous avez enlevé là-bas. Si dans 60 jours nous n'avons pas un terrain viabilisé, ils ne nous ont pas dit on vous retire, ils nous ont dit ça pourrait compromettre le projet. Et moi j'ai à ma disposition 2 milliards en fait. Et il faut 1 milliard 800 pour sauver cette situation. Je l'ai pris où? Pas dans les 15 milliards. Les 15 milliards ont été payés un an après, exactement. J'ai payé la firme de M. Kim en juillet-août 2020, l'argent est venu en juillet 2021. Je ne crois pas, M. le Président, que l'argent que j'ai envoyé là-bas n'était pas destiné à ça. Mais je n'ai pas détourné ça. J'ai fait, comme vous venez de le dire, mon travail de patriote. C'est ce que j'ai fait. Mais est-ce que si c'était des fonds qui m'étaient alloués, plus tard, même si j'attends un an pour les récupérer, je ne crois pas avoir détourné. Et en utilisant aussi l'argent envoyé sur les 15 milliards pour payer des prestataires auxquels on a proposé, promis d'être payés chaque trimestre pour être dans les normes, sachant que
au cours de l'année, avant même la fin de l'année, on peut reconstituer les 15 milliards. C'est ce qu'on appelle le management. C'est ça la responsabilité du premier responsable. Alors, pas être le robot. On a dit c'est pour ça, même si tout le reste s'écroule. C'est pas ça le management, surtout quand c'est pour la même entité. Les fonds sont pour la même entité. Et surtout qu'on est sûr de pouvoir les reconstituer. Pour terminer, Monsieur le Président, dans les conditions normales, les fonds de souveraineté, c'était 7 milliards par trimestre. Même si, par imprudence ou par avidité, je prends les 15 milliards pour en faire des besoins personnels. Il me faut juste deux trimestres pour les reconstituer. Mais je n'ai pas fait ça. Encore une fois, je vous dis que les 15 milliards, pas un franc n'a été pris ni par Damaro ni par un autre. Merci, monsieur le président. Oui, monsieur le président. Oui. Comment peut-on se rendre compte à partir de ce tableau détaillé que les 7 milliards payés aux députés ont été remboursés après le versement de la subvention de 28 milliards? Non, la subvention de 28 milliards était la subvention d'un des deux trimestres en retard. Et c'est comme si quelqu'un qui doit, un salarié qui doit être payé le 1er janvier, il est payé le 28 février. Le 1er mars, tu lui dis, tu es très riche, tu as eu un salaire, alors que c'est le salaire du mois de janvier qu'on lui a payé seulement. Qu'est-ce qu'il fait? Peut-être que le 2 mars, il n'a plus rien s'il paye toutes ses dettes de février et paye toutes ses dettes de janvier. Mais par prudence, en tant que père de famille ou salarié, il va payer un peu des dettes de janvier, un peu des dettes de février pour avoir un petit fonds. C'est ce que nous avons fait en reconstituant les 6 milliards à partir de la subvention et à la... 6 milliards qui étaient dans le compte, oui. Parce que, tout simplement, à la rentrée, on s'attendait à être très riche parce qu'on devrait avoir deux subventions. La subvention de vacances et la subvention d'entrée du dernier trimestre, octobre, novembre, décembre. C'est comme ça que ça fonctionne, c'est comme ça que ça a toujours fonctionné. Si vous n'avez pas de vision, vous n'avez pas de réalisation à faire. Non, le paiement des 7 milliards d'août. Hein? À partir de ce tableau-là, oui. Comment peut-on se rendre compte que les 7 milliards ont été payés aux députés? Ah. C'est la question qui a été posée. Oui, elle est très simple, monsieur le président. Vous avez d'autres tableaux. J'ai un premier tableau des députés où les députés ont émargé. Vous avez 4 milliards 900. Ce tableau état de paiement de carburant des honorables députés pour la période 1er juillet 21 au 30 novembre 21. Vous voyez, je ne sais pas, on a dû vous les donner. Tous les députés ont émargé. Et vous avez 4 milliards 900 ici. Vous avez un autre tableau des membres du bureau. État de paiement de carburant des membres du bureau pour la période du 1er juillet au 30 septembre pour 824 millions. Presque 5 milliards, 4 milliards, 4 milliards 918
plus 800 et quelques. On est déjà à peu près 6 milliards. Et vous avez... Oui, vous avez... Non, ça c'est le récapitulatif. Ça. Vous avez ce qui a été payé au personnel. Ce qui a été payé au personnel. Non, attendez, vraiment. Si vous me mettez dans mon désordre là, ça va être compliqué. Laissez-moi trouver. Il y a 300 ou 600 et quelques millions qui ont été payés au personnel parlementaire. Nous avons les paiements de dotation trimestrielle de carburant au cadre de l'administration, 325 millions. Et vous avez paiement des primes de restitution des députés, 679 millions, qui a été payé en août, le 19 août. Donc, je ne sais pas si vous avez ce tableau récapitulatif qui commence par le 900-900, vous avez tout là-dedans. Et le total fait 9 milliards 75 millions parce que le milliard 800 a été remboursé. Lors de son interrogatoire ici, Monsieur Michel Cabonneau parlait de compensation. Compensation, c'est-à-dire? Oui, c'est-à-dire lorsque vous procédez au paiement, lorsque vous encaissez les 28 milliards, bon, y compris maintenant, les rattrapages, alors comment vous avez procédé à ces compensations? Je ne vois pas l'expression compensation. Vous avez compensé les 7 milliards. Oui. Monsieur le Président, encore une fois, il n'y avait pas obligation. Je vois que vous parlez de 9 milliards. Hein? Non, j'ai dit, oui, c'est 9 milliards. Il n'y avait pas obligation que d'un trait de reconstituer les 15 milliards. On m'accuse aujourd'hui parce qu'il y a eu interruption du processus. Je n'avais aucune obligation de dire, parce que la construction du site s'étendait sur 3 ans. Donc, je pouvais utiliser cet argent pour des fêtes de l'Assemblée, mais chaque fois qu'il y avait un besoin sur le chantier, le régler. Comme je l'ai réglé avant le paiement des 15 milliards. J'ai payé 1 milliard 800 avant le paiement des 15 milliards. Donc, je n'avais aucune obligation. Ce n'est pas un budget, c'est une subvention non nomenclaturée. Je n'avais pas l'obligation de dire à telle date, il faut que les 15 milliards soient reconstitués. Surtout qu'on en avait déjà utilisé sur le terrain. Le milliard 800, là, était déjà, ne faisait plus partie des 15 milliards. Ce qui avait été payé à EDG ne faisait plus partie des 15 milliards. Donc, on était à 12 milliards. Donc, on a reconstitué la moitié avec une des subventions et l'autre moitié serait reconstituée aisément quand on aura eu les deux subventions à l'ouverture de la session en octobre, sans faute. Mais le problème est que cet argent-là n'a pas été pris de côté pour être partagé. Non, nous les avons mis dans un même compte et moi, je ne pouvais plus retourner. Monsieur le Président, qu'on ait eu ces 15 milliards ou pas, on avait l'obligation de faire face à ces dépenses. Comme on a fait face à des dépenses plus colossales, que les 15 milliards en ce qui concerne tous les travaux effectués au Palais du Peuple. C'est de loin plus important que les 15 milliards. On les a fait à partir de quoi? À partir de nos subventions de fonctionnement, en s'organisant à l'intérieur, en se privant, en annulant des choses qu'on a considérées inutiles jusqu'à ce qu'on finisse de réaliser ces travaux pour pouvoir le faire.
Mais les 15 milliards n'étaient qu'un supplément. Et vous ne verrez même pas dans le libellé, vous ne verrez pas pour la construction. C'est moi qui l'ai libellé pour la construction, parce que c'est moi qui en a fait la demande. Et la dernière fois, quand on m'a dit, l'État voulait construire le siège pour quitter le palais du peuple, ceux qui ne savent pas, c'est moi qui ai rédigé la demande. Plusieurs ambassades, c'est la Chine qui a répondu pour dire qu'il faut notre siège. Et je l'avais à cœur. Et c'était ça mon plan, c'était ça ma vision, monsieur le Président. C'est-à-dire qu'aucune loi financière ne m'obligeait à dire il faut que les 15 milliards soient. Parce que ce n'est pas vérifié différemment. C'est une suivante. Ce n'est même pas du tout contrôlé ni vérifié. Bien, monsieur le procureur, non, mais vous avez la parole pour vos questions. Vous avez dit la dernière fois. Je ne vais pas poser des questions ce soir, puisque c'est juste des observations que je vais porter sur les développements que nous avons eus. Juste que j'ai fini mon tour de questionnaire. Et peut-être que lorsque les autres parties finiront de poser leur, vous allez me permettre aussi de revenir sur certaines questions. D'ici là, Monsieur le Président, comme je l'ai dit tantôt, merci de m'avoir donné la parole pour faire des observations sur ces documents comptables. Et certainement, la Cour a dû relever beaucoup de contradictions. Et ce qui est bien d'ailleurs, puisque de la contradiction naît la vérité, et la vérité rend libre. Donc, Monsieur le Président, la première observation que je fais à la lecture de ces documents, et qui est d'ailleurs une réalité, puisque c'est des faits qui sont acquis au débat, c'est que ce contrat pour le décapage et le nivellement, donc la mise en état, pour ainsi dire, du site qui devrait abriter le siège de l'Assemblée nationale. C'est un contrat de gré à gré. Ça a été reconnu par toutes les parties. Et cela est contraire, Monsieur le Président, au règlement intérieur, heureusement que la 9e législature a eu à élaborer, puisqu'il a écrit clairement et de manière très précise qu'à partir de 1 milliard, plus d'un milliard, il fallait forcément faire un appel d'offres national et international, pas où, et international. Donc, il a été acquis au débat ici que ce contrat a été de gré à gré. Et quand vous prenez, Monsieur le Président, le code de passation des marchés publics, il est clair que l'inobservation de ces règles de passation est assimilable à de la corruption et traité comme tel. C'est la première observation que je fais. La deuxième, c'est par rapport aux déclarations de M. Amadou Damaro ici, quant à l'utilisation des 15 milliards, il a été dit et acquis au débat que 3 milliards ont été utilisés sur le site, 6 milliards utilisés pour payer d'autres primes aux députés et il était resté 6 milliards sur le compte de l'Assemblée nationale. Je pense que cela a été relayé par tous les médias qui étaient présents ces jours. Je vais apporter des contradictions par rapport à cet état de fait. Des observations, Monsieur le Président. Oui, des observations, s'il vous plaît. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Le 8 juillet 2021, Monsieur le Président, ne pose pas des questions. S'il vous plaît, je relève des... Monsieur le procureur, oui. Ce sont les observations ou c'est les contradictions? C'est la réquisition. Posez les questions et je réponds. Je dis encore. J'observe, oui. Voilà. Mais c'est des contradictions. C'est une observation, mais c'est une contradiction par rapport à ce qui a été dit ici. Faites vos observations. Merci, Monsieur le Président. S'il vous plaît, dans la salle. Faites vos observations. Merci, Monsieur le Président. Le 8 juillet 2021, le solde de l'Assemblée nationale était de 257
19 975 francs guinéens. Le 12 juillet, Millions. Le solde antérieur au versement des 15 milliards, c'est millions. Alors, je continue. Le 15 juillet 2021, l'Assemblée nationale a été créditée de 15 milliards de francs guinéens. Le 12. Non, ça, c'est ce qui. C'est l'avantage que lui. Le 8 juillet, je dis le solde antérieur était de 257 millions. Le 12 juillet, le compte de l'Assemblée nationale a été crédité de 15 milliards et libellé comme suit. Virement reçu suivant lettre numéro 066 au titre de la subvention exercice 2021 de l'Assemblée nationale pour contribution financière du gouvernement guinéen au projet de construction du siège de l'Assemblée nationale. Ça, c'est écrit? Non, c'est pas vrai. Donc, Monsieur le Président, vous comprendrez avec moi que ces libellés sont sans équivoque. Du 12 juillet, donc, à la date du 18 août, où une autre subvention a été versée, il a été effectué 9 opérations. 9 opérations pour un coût total de 12 milliards 478 millions 458 483 francs guinéens. Donc, du 12 juillet au 6 août, 12 milliards 478 millions ont été utilisés. Cela, Monsieur le Président, est contraire aux déclarations que nous avons entendues tout au long de la procédure ici, où il avait été dit que 6 milliards étaient restés sur le compte. Donc, à date du 6, il ne restait que 2 779 460 780 francs guinéens. C'est la deuxième observation que nous faisons, contrairement à ce qui a été dit ici. Je reviens sur l'utilisation de ces montants. Il vous a été dit que de ces montants, 3 milliards avaient été utilisés sur le site. Mais Monsieur le Président, vous l'avez relevé tout à l'heure, à part les 1,8 milliard que l'entreprise Castor a reçu par l'entreprise de son PDG de ce type, le seul montant aujourd'hui que vous avez relevé, c'est bien le montant payé à BDG. Et s'il vous plaît, maître, il faut avoir du respect pour la Cour. Comme toujours. Non, ça a quand même juste passé. Depuis qu'on est là, on lui a donné la parole. Quand vous avez la parole, on ne dit à quiconque de murmurer. Vous êtes là-bas. C'est pas normal. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de respect pour vous. Monsieur le Président. Ça nous empêche même de le suivre. Monsieur le Président. Maître, s'il vous plaît. J'ai parlé avec une voix audible. Maître, s'il vous plaît. Même si ce n'était pas fait, on n'aurait pas attiré votre attention. Vous-même. Vous savez, c'est-à-dire, acceptez que nous soyons dans la sérénité. Acceptez que nous travaillons dans la sérénité. Sincèrement, vous savez, quand on a l'habitude de vous dire, quand vous êtes, ça savez, quand on a l'habitude de vous dire que vous incarnez la sagesse, acceptez de rester dans ce cadre. C'est vous qui devez même. Si je vais imposer, je vous ferai toutes mes excuses. Merci, Monsieur le Président. Aucun regard ne se passe ici sans que nous attirions votre attention sur ça. Vous êtes une sagesse. Restez dans ce cadre. Merci, Monsieur le Président. Toutes nos excuses, Monsieur le Président. Vous voyez, quand nous sommes là, nous bloquons. Et puis, les voix même, ça attire l'attention.
Je commence mes propos par dire que la vérité est un livre. Je pense qu'il y a certains qui ne veulent pas entendre la vérité. Merci, Monsieur le Président. Je disais que sur le tableau qu'on nous a présenté des dépenses, à part les 1,8 milliards payés à l'entreprise Castor et le montant payé à EDG, il vous a été dit tout à l'heure que les 750 millions, initialement annoncés, il y a deux audiences de cela, comme étant payés à la CNE, ne l'ont pas. Et pour vous en compte, Monsieur le Président, vous verrez le reçu, le chèque qui est versé au dossier date de 2023. Donc c'est pour dire que ce montant manque à l'appel. La CNE n'a pas été payée d'un copain par l'Assemblée nationale en 2021, en tout cas dans le budget alloué pour la construction, comme cela a été relayé et déclaré ici de vive voix. Aucun montant n'a été payé à la CNE en 2021 dans les 15 milliards. Pour continuer l'analyse donc des documents comptables versés, durant des mois, il vous a dit ici que les 6 milliards payés à l'Assemblée nationale l'ont été parce que l'État guinéen était défaillant. L'État n'avait pas encore payé la subvention qui devait être aux députés. Et que pour ne pas garder ce statu quo, il était question de procéder au paiement par le montant déjà disponible. Et effectivement, le caisseur a relayé qu'une fois le montant de la subvention reversée, la compensation serait automatique. Mais Monsieur le Président, contrairement à ce qui a été toujours dit ici, que cette subvention n'est pas venue jusqu'à la prise de pouvoir, vous verrez que le 18 août 2021, l'Assemblée nationale, le budget, le compte de l'Assemblée nationale à la Banque centrale, a été crédité au titre de la subvention du troisième trimestre 2021 de l'Assemblée nationale, d'un montant de 28 668 503 700 francs guinéens. Donc, Monsieur le Président, et une troisième subvention datant du 1er septembre 2021 de 4 milliards destinée à couvrir les dépenses liées à la session extraordinaire consacrée à l'examen du projet de loi également a été payé par l'État guinéen. C'est-à-dire que l'État guinéen a payé toutes les subventions et à date, et cela ne peut nullement justifier aujourd'hui le manque que nous enregistrons aujourd'hui sur les 15 milliards, qui de moins reste et demeure une utilisation, ma foi, non conforme à la nomenclature budgétaire, bien sûr. Ça, ce sont des... Oui, c'est des observations. Je suis dans mes observations, Monsieur le Président. Puisque, comme je l'ai dit, c'est 1,8 milliard plus 351 millions payés à l'EDG aujourd'hui qui sont justifiés. La compensation dont on a toujours parlé ici, nous ne l'avons pas vue, étant donné que l'État guinéen, contrairement à ce qu'on nous a dit, n'a jamais été défaillant par rapport au paiement des subventions. Vous aurez votre temps de réquisition. Voilà. Vous pouvez faire des observations. Non, c'est un réquisition. Les affirmations de ce genre, on les admettra pas ici. Merci, Monsieur le Président. L'État sera défaillant ou pas, ça, vous pouvez expliquer ça ailleurs. Donc, Monsieur le Président, je voudrais lever l'équivoque par rapport à ce qui a été dit lors des précédentes audiences ici pour dire que l'Assemblée nationale, après l'utilisation des 15 milliards, a laissé sur le compte de l'Assemblée nationale un montant de 6 133 668 982 francs guinéens, de dire, Monsieur le Président, que ce montant représente le cumul des soldes après dépenses, Monsieur le Président, tenez-vous-en bien. D'abord, du solde antérieur des 257 919 265 francs guinéens, de 15 milliards de francs guinéens, de 28 milliards 600 81 millions 503
700 francs guinéens et de 4 milliards de francs guinéens. Voilà, Monsieur le Président, la réalité des 6 milliards qu'on a voulu vendre ici, comme pour dire que les comptes sont bons. 6 milliards plus 3 milliards dépensés sur le site, plus 3, 6 milliards donnés, comprimés des députés, ça faisait les 15 milliards, on ne sait pas pourquoi on est là, Monsieur le Président. Vous voyez que cette vérité avait été tronquée. Bon, ça, laissez la cour apprécier. Vous avez fait les sorties, les comptes. Maintenant, laissez la cour apprécier après votre temps de réquisition. Merci, M. le Président. Voilà, merci. Je continue. Merci. De 15 milliards retenus, suivant le tableau fourni donc, par l'Assemblée nationale et par la Banque centrale de la République de Guinée, d'où est domicilié le compte de l'Assemblée nationale, car la réception des 15 milliards de francs guinéens, et après toute dépense, il est resté un solde de 2 779 460 782 francs guinéens. Monsieur le Président, ma dernière observation, c'est par rapport, donc, Monsieur le Président, aux déclarations de toutes les parties ici par rapport au budget, puisque nous savons tous que le budget annuel, contrairement à ce qu'on est en train de le dire, est exécuté par trimestre. Et les subventions reçues par l'Assemblée nationale, tout comme par toutes les structures qui bénéficient des budgets, ne sont que des quotas détaillés du budget dans son exécution. Donc, Monsieur le Président, vous conviendrez avec moi à la lecture donc, du libellé de description de la subvention des 15 milliards accordée à l'Assemblée nationale, qu'il s'agissait bien sûr d'une subvention essentiellement réservée au projet de construction du siège de l'Assemblée nationale. Sur ce, je vous remercie. Merci, M. le Président. Décidément, maître Lassé III, on s'érige en cours. Bon, évidemment, nous nous apprécions, hein, parce qu'aujourd'hui, il a pris le dessus sur maître Kouyaté. Il a vraiment pris le dessus sur maître Kouyaté. Désormais, je vais lui confier la gestion de maître Kouyaté. Ah oui, oui, oui. Maître Kouyaté était le maître penseur, mais c'est fini. Je oui, allez-y. Je continue la lettre. Non, non, pour le moment, c'est, il y a du suspense. Allez-y. Merci, Monsieur le Président. Nous allons commencer par une observation, Monsieur le Président. Nous avons reçu une pièce ce soir par rapport aux biens immeubles de Monsieur Amadou Damaro Camara aux États-Unis. Je ne sais pas si vous avez reçu la même pièce. Nous l'avons reçu. Il y a plusieurs pièces, hein, monsieur. Traduction. Oui, il y a une traduction en français. Oui. C'est ça. Mais il y a des anomalies, au fait. Le document de base, non seulement là-bas, est dessiné. Et les dates aussi diffèrent. Le document de base, je vois, le 25 août 2013. Sur la traduction, je vois le 21 août 2012. Et ce document, comme je l'ai dit, n'est pas signé, mais il y a je vois des initiales. Je voudrais demander à M. Camara si ce sont ces initiales qui constituent sa signature. Et qu'est-ce que cela signifie? A, D, C, D, B. Je peux répondre? Attendez. Je termine rapidement avec le troisième document qui est visible. Je ne sais pas si c'est visible. Et c'est en anglais, je crois.
Monsieur le Président, si Monsieur Dama peut nous dire que signifie ces initiales, même si oui, Monsieur Dama, oui. Le document traduit n'est pas conforme au document. Mais je peux, Monsieur le Président. Oui, merci, Monsieur le Président. Allez-y à la deuxième page, même si c'est en anglais, la signature n'est pas en anglais quand même. Là où il y a la signature. Oui. Non. Merci, Monsieur. Je dis qu'allez-y à la deuxième page. Je rappelle d'ailleurs qu'il est écrit sur le document de base, page 1 sur 10. Mais attendez. Vous avez posé une question. Laissez-moi répondre. C'est la dernière anomalie que je vous. D'accord, il n'y a aucune anomalie. ADC. Attention, M. Damaro. Je dis qu'il veut soulever la dernière anomalie. Ah, ok, voilà. Je n'ai pas compris. Donc, incompréhension de notre part. Si cela vous agrée. Ce n'est pas une anomalie, mais une incompréhension. Allez-y. Je peux répondre? D'abord, oui, les initiales. Ok. Pourquoi la loi de signature? Bon. J'ai pris la première page qui donne l'essentiel. Le prix de la maison, l'adresse de la maison, la date de l'offre et la date de conclusion du marché. Et je vous ai donné la dernière page où il y a la signature et la signature de madame. Là-bas, aux États-Unis, quand on dit paraffer les pages, on paraffe les pages avec ton initial. ADC, c'est Amadou Damaro Camara. DB, c'est Djenabou Barry. Ça, c'est l'initiale sur chaque page. Et la dernière page. Djenabou Barry, c'est. C'est mon épouse. Et à la dernière page où il y a la signature, on doit écrire aussi aux États-Unis, tu écris d'abord l'entièreté de ton nom avant de signer. Parfois même, on ne signe pas, on met seulement son nom. Donc, non seulement les initiales sur chaque page, et la dernière page, vous avez Amadou D. Camara, et j'ai ma signature en haut, et en bas, vous avez Djenabou Barry. C'est écrit, c'est tapé à la machine Amadou Damaro Camara, et puis je signe en manuscrit Amadou D. Camara. Djenabou Barry est tapé à la machine et signe en manuscrit Djenabou Barry. Et si vous voyez, vous parlez de 2012 et 2013, quand tu vas acheter une maison, il y a un prix qui est fixé aux États-Unis, surtout quand vous payez cash, vous venez faire une offre. On vous dit c'est 250 000 dollars, tu viens, tu dis moi je veux l'acheter à 200 000 dollars. On dit d'accord, on prend votre offre. S'il n'y a pas meilleur que ça, on vous rappelle, même un an, deux ans après, pour dire est-ce que votre offre est toujours valable. C'est pourquoi vous avez l'offre de 21 août 2012 et on a conclu l'achat le 23 août 2013. Donc si l'on comprend bien, M. Tamara, ce n'est pas une traduction. Une quoi? Deux pages. Non, c'est la traduction des deux pages. Les dates ne sont pas les mêmes. Bon. Ça, la tradition officielle ici, c'est les affaires étrangères. On a envoyé la. Est-ce qu'on peut savoir, est-ce que c'est la page-là qui est traduite en français comme ça? Oui, les deux pages. Non. Les deux pages sont traduites en français. On a des pages 1 et 10. Non. Vous savez, il y a trois feuilles ici. Oui, il y a trois feuilles. Les deux premières feuilles. Constituent l'une. La traduction de l'autre? Non. Ça sont les deux en anglais. C'est la première et la deuxième page du contrat de vente. Mais pourquoi ce qui est en anglais n'est pas traduit? Non, mais ce que j'ai dit, la dernière page, qu'est-ce qui n'est pas traduit? Ça, c'est en anglais. La deuxième, là. La deuxième n'est pas traduite, c'est la première qui est traduite. Et qu'est-ce qui est traduit par ça? En
là, parce qu'on aurait pu avoir la copie non traduite et la copie traduite. Mais vous avez la copie non traduite là, monsieur le président. La première page, c'est la copie non traduite et qui a l'essentiel. Et j'ai demandé à ce qu'on ajoute. Parce que la copie non traduite, c'est ce qui porte le Les signatures là, et le contrat et les choses. Oui. De toute façon, en 2012, je ne crois pas, monsieur le président, si en quelque chose, l'intérêt de l'État est. Dans ça, je ne vois pas. J'ai voulu simplifier parce que 10 pages, c'est un peu du verbiage juridique. Attendez, des contrats. Les deux là, c'est la même copie. Monsieur le Président, vous avez la page, attendez, là où il y a les initiales. Là où il y a les initiales, ça c'est la première page du contrat. C'est la même copie qui est traduite. Voilà. Voilà. Les dates sont différentes, c'est ce qu'on n'appelle pas traduit. Non. Parce que vous avez sur l'une qui n'est pas traduite, le 23, sauf erreur, soit 23 ou 25, ça ne peut être peut-être qu'une erreur de la traduction. Non, permettez-nous d'abord d'attirer votre attention sur ce qui est là. Mais la copie non traduite, 25 août 2013, la copie traduite que vous dites être la traduction de la première, donc en français, le 21 août 2012. Ça doit être absolument une erreur de frappe, c'est comme si l'adresse. Jour et année différentes. L'adresse même, il y a aussi une erreur là-dedans. C'est 105 Clubhouse. Et à taper ici 195. Vous connaissez nos secrétaires ici. Donc qu'est-ce qu'on va retenir? Parce que c'est autour de cela qu'on a fait observer les questions que vous avez passées. Vous ne le suivez pas? Non. Non, c'est. Qu'est-ce qu'on a fait alors? Oh, non, ça c'est ce qui est authentique. Hein. C'est le 23. C'est le 25 ou le 23, je ne vais pas dire. C'est le 25 août 2013. Oui, c'est le 25 août 2013. Oui, ça c'est une erreur de frappe. Ça c'est une erreur de frappe. Ah oui, mais même à l'intérieur, quand vous entrez, dans le texte, c'est ce que j'ai dit. Le présent contrat d'achat et de vente d'immeubles résidentiels, le contrat est conclu le 25 août 2013. Voilà, ils ont mis maintenant la bonne date. Monsieur le Président, ouais. Il y a la date de l'offre et la date de voilà. La conclusion du contrat. Voilà. Ça, c'est écrit. Mais la signature, c'est toute autre date, Monsieur le Président. Il y a trois dates sur le contrat. La signature, c'est quand? La dernière page du contrat. Oui. Regardez bien, moi, je vois que c'est 2016. Oui, mais regardez, ça, c'est quand on. Le contrat qui est signé. Oui, ça n'a rien à voir avec le contrat. Voilà, ça, c'est. Je vais vous expliquer. Allez-y, voilà. Maître, monsieur, un peu de bonne foi. Écoutez, ça c'est un notaire. Quand on fait les taxes, vous demandez d'amener une copie de votre acte de propriété, vous amenez votre contrat et ils vous font, si vous voulez prendre une dette par exemple. Et là, vous amenez l'acte, le notaire. Comment on dit en français, notarie. Hein? Le notaire. Les ventes d'immeubles dans d'autres sujets, même en Guinée, conformément à la loi, ça se passe devant un notaire. Non. Cette vente est passée devant un notaire. Non, c'est pas un notaire. Aux États-Unis, non, c'est un cabinet d'avocats. C'est pas un notaire. Oui, c'est pas un autre problème du tout. On a acheté quelques maisons et revendu. Il y a un cabinet d'avocats qui s'occupent des ventes. Ça, maintenant, tu peux aller pour aller notarier l'acte. Ça peut se passer n'importe quand. Voilà. Il a dit que c'est un acte qui s'est passé devant un cabinet.
Mais, monsieur le procureur, vous savez, restons dans les preuves, n'allons pas, pardon, dans les alibis. Voilà, c'est ça. Moi, je crois que je ne suis pas renvoyé pour ça. Voilà. Pardon, les alibis, ça nous éloigne. C'est moi-même qui viens de vous dire que même l'adresse, au lieu de 105, elle a mis 195. C'est des erreurs de frappe, ça. Oui. Est-ce que nous pouvons avoir l'intégralité du contrat? Vous ne pourrez pas l'avoir parce que le contrat n'est pas ici. Si vous pouvez vous imaginer, j'ai fait plus d'une semaine prendre un enfant pratiquement pour dire de faire la photo au téléphone de la première page et de la deuxième page. Si vous voulez que la personne fasse les 10 pages, je sais que le problème, ce n'est pas cette propriété. Et je vous prie d'accepter ce qu'on a là. Je ne peux plus rien vous garantir que je peux vous offrir quelque chose. Okay. Donc, on va revenir sur la propriété, mais pour le moment, on commence par les 15 milliards. S'il vous plaît. Camara avait dit l'autre fois que le contrat passé avec la société qui n'a pas été passé par vous. Oui. Par la 9e législature. Bon, je ne sais pas. Mais contrairement à ces dires, on a vu le contrat, c'est lui-même dans son nom en tant que représentant de l'Assemblée nationale. Ce que je sais. Mettre devant l'urgence et l'exigence de la partie chinoise, j'ai dû non seulement prier, mais vraiment tordre le bras à Kim pour faire ce travail. Je veux savoir, M. Kamara, c'est la 8e législature ou la 9e qui a passé? Il ne pouvait pas signer en 8e législature, il n'était pas question. C'était la 9e législature et moi en tant que président. Merci, M. Kamara. Voilà. C'était la question. Oui, oui. Non, c'est la 9e législature. Merci. Et c'est moi qui ai signé les chèques. Oui, j'en conviens avec vous parce que vous-même, vous avez dit que vous êtes venu voir M. Kim et vous y avez pensé la même. Non, je l'ai fait venir. Ah, vous l'avez fait venir. Voilà, au bureau. Oui. Je me souviens, c'est vous l'avez, vous avez dit la dernière fois que vous l'aviez prié. Forcé. Je l'ai forcé. Il a dit qu'il ne voulait pas et qu'il ne gagnait rien dedans et qu'il perdait d'ailleurs. Et il y a des travaux supplémentaires qui ont été réalisés par lui et qui n'ont pas été payés. M. Kamara, oui. Est-ce que vous trouvez normal oui. qu'un État oui. comme la Guinée oui. supplie quelqu'un, oui. lui prie pour qu'il fasse oui. Non. Forcer. Mais absolument. C'est tout à fait normal. Si c'est ce qui peut faire avancer les choses, j'assume. Est-ce que vous trouvez normal que l'État se mette à terre? Je dis j'assume. Si c'est pour l'intérêt de l'État, si moi-même je dois me coucher par terre et faire... Non, vous faire... n'êtes pas l'État, monsieur. Attends. Je parle non, de l'État. Alors, vous me dites, c'est moi qui l'ai prié. Vous dites que l'État doit prier. Vous me mettez à la place de l'État. Est-ce que c'est l'État qui l'a prié ou c'est moi? C'est moi qui l'ai prié pour lui dire ce que l'État doit faire. Donc si c'est moi oui, l'État... La question que j'ai posée, c'est par rapport à l'État. Mais ce que je dis, mais ce n'est pas l'État qui a fait, c'est l'Assemblée. C'est l'Assemblée qui a fait. Je ne connais pas l'État, je ne dirige pas l'État. Je dirigeais l'Assemblée. Oui. Voilà, et moi donc, à l'Assemblée. Est-ce vous... que vous voulez dire par là que l'Assemblée nationale ne fait pas partie de l'État ah, alors que c'est l'un des alors, grands pouvoirs mais alors, de donc, l'État. Donc, moi, je dis. Pourquoi d'ailleurs qui font l'État? Si je représente donc l'État, si pour l'intérêt de l'État, je dois faire plier quelqu'un, je le ferai plier. Et si je dois me coucher avec lui, je me coucherai avec lui. Faites papa, hein? Oui. Nous avons passé une réflexion sur la nécessité
15 milliards. Non, moi je dis que je trouve que c'est normal. L'agréable répondu, voilà. Il trouve normal que absolument. L'État se rabaisse. Ouais. Alors qu'il a les moyens. Monsieur Tamara, le contrat que vous avez passé avec la société de M. Kim, c'est un marché public ou c'est un contrat comme ça? Un contrat privé? Vous savez. Parce que le marché public n'est pas un contrat privé, c'est un contrat administratif. Vous savez, pour votre information, avant la création de la direction des marchés publics de l'administration guinéenne, c'est la direction de la dette publique à la Banque centrale qui l'assumait. Et j'en étais le directeur. Et quand on a voulu détacher, j'étais l'un des 5 membres de la commission qui a fait le draft pour le marché public. Donc je sais de quoi je parle. Il y a des conditionnalités pour passer. Avant que vous continuiez, monsieur Laurent. Non, voulez, il ne faut pas m'interrompre. Vous voulez dire par là. Je ne vais pas dire ce que vous voulez. Laissez-moi terminer. Vous voulez dire que vous êtes un spécialiste du marché public. Absolument. Je l'assume. Merci. Merci. Vous pouvez continuer. Voilà. Je dis encore que la passation du marché de gré à gré obéit à des conditionnalités, dont celles dans lesquelles nous avons passé ce marché. Il y a 40 millions de dollars en jeu. On vous demande de faire du travail dans les semaines qui arrivent, qui suivent. Vous êtes bureaucrate et l'Assemblée aussi ne doit jamais aller au ministère des Finances, à la direction des marchés publics pour passer un marché. S'il doit passer un marché public, c'est à son sein. Nous n'obéissons pas, nous ne soumettons pas à l'exécutif, nous ne tirons pas plutôt à l'exécutif. Donc, ces conditions étaient absolument remplies devant l'urgence, et surtout qu'on n'avait même pas de fonds. Et moi, je suis pragmatique, là j'ai ça des anglo-saxons, je vois la chose en face et je prends la décision qu'il faut. Il fallait faire ça pour sauver les 40 millions, et j'ai fait, et j'en suis fier, et je l'assume. Le milliard, c'est 180 000 dollars. Pour sauver 40 millions, je crois que ça vaut le sacrifice. Quel que soit ce qu'on peut appeler, ce que vous appelez corruption là-bas, je ne sais pas ce que je vais gagner sur 1 800 000, alors que le milliard 800, c'était à moi. C'était mes fonds de souveraineté. Tu ne peux pas renoncer à 1 800 de tes fonds, donner à un marché et prendre des subsides dans ce marché. Alors, c'est tellement évident que c'est la preuve que ni vous, ni moi, aucun de nous n'a inventé l'eau chaude. Monsieur Kamara, je reprends ma question. Le contrat que vous avez passé avec la société de M. Kim, est-il un contrat privé ou un contrat de marché public, c'est-à-dire un contrat administratif? Ça, je ne sais pas ce que vous appelez marché privé. Un marché de l'Assemblée nationale, comme vous pouvez l'appeler marché privé ou public. Là, je n'ai pas de réponse à cette question. C'est l'Assemblée qui l'a posé, ce n'est pas Damaro et Kim. En votre qualité de spécialiste des marchés publics, vous avez passé ce contrat avec M. Kim et l'article 8. L'article 12, plutôt de ce contrat. Ceci. Tout litige susceptible de s'élever entre les parties à propos de la formation de l'exécution ou de l'interprétation du présent contrat sera de la compétence exclusive du tribunal de commerce de la République. Monsieur le Président, non, Monsieur le Président, je ne peux pas lui laisser parler, je suis en train de poser des questions. Mais si nous suspendons, alors, si nous lui donnons la parole, vous ne pouvez pas nous empêcher. Maître Babaé, avec votre sagesse habituelle, restez serein. Maître, vous avez une... Oui, c'est sur le contrat.
Monsieur le Président, je voudrais qu'on soit, qu'on se colle au contrat. On dit le contrat passé avec Kim. Pardon, lisez le contrat si le nom de Kim apparaît dans ce contrat. La société de... Non, vous avez dit le contrat. Pourquoi, monsieur le Président, il veut que vous le dites? Il ne trouble en rien l'audience. C'est le contrat. Monsieur Kim, vous pouvez. Ça n'a jamais été dit. Mais ce Raja, maintenant, on vous a bien compris, restez sûr. Vous aussi, vous ne pouvez pas dire qu'il a. Il n'a pas troublé. D'accord, monsieur le Président, je suis d'accord. Vous ne pouvez pas me faire dire ce que j'ai. Laissez-moi d'abord. Vous voulez venir ici? Non, en fait, monsieur le Président. Maître, vous voulez venir ici? Monsieur Kamara, vous n'avez pas la parole. Vous voulez venir ici? Pas bien. Même pas bien. Vous voulez prendre ma place pour. Alors, pour donner les choses? Non, alors, monsieur le Président. Restez dans votre sagesse habituelle. Nous sommes demi. Mais à sa place, vous auriez pu faire la même chose. Je ne vous aurais pas privé de parole. Laissez-le quand il a des observations à faire. Le procureur l'a fait, les autres l'ont fait. Maintenant, vous avez la parole. Vous êtes libre de dire ce que vous avez. Sauf que ce qu'il a dit, si c'est la société de M. Kim, dites comme ça. Non, il dit Kim. Il a dit Kim. Non, j'ai dit la société de M. Kim. Très bien. Alors, si c'est cela, attendez. Vous savez, il a déjà. Il dit qu'il a dit la société de M. Kim. Ni qu'il a retiré en plus. Allez-y, s'il vous plaît. Allez-y. Monsieur le Président, s'il vous plaît. Il est toujours sur ses nerfs. S'il vous plaît, monsieur. Non, il n'est pas sur ses nerfs. S'il veut faire des observations. Monsieur le Président, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Il est écrit la société Castor et l'Assemblée. Pourquoi on voudrait dire la société de M. Kim? Pourquoi? Monsieur le Président, non seulement M. Kamara a fait savoir qu'il est parti forcer la main de M. Kim et qu'il aurait fait des prélèvements. Attendez, attendez, sur ce point-là, sur ce point, maître Raja, mettez-vous à l'aise. Asseyez-vous. Nous, on va vous dire de vous asseoir parce que c'est sorti, c'est M. Kamara même qui a répété plus d'une fois ici. Effectivement. J'ai traité avec la firme de M. Kim. Bon, ça peut être peut-être des erreurs de langage, mais. Non, si je voulais. J'ai oublié le nom de Castor, ça voilà. Me. J'ai oublié, je ne connaissais pas le nom de la société. Oui, mais quand M. Kamara lui-même nous habitue à cette expression, ça. Lui n'est pas juriste, il n'est pas avocat. Mais lui, il sait ce qui est écrit. Si il le dit, il ne prononce que le nom de. Ah, ouais, c'est fait à dessein. Oh, mais Maître Raja, oui. Vous avez formulé des observations. Laissez-nous avancer. Maître Kamara, heureusement, heureusement qu'il est calme, il va rester calme. Maintenant, allez dans le sens de nous permettre d'avancer. Les propos qui nous permettent d'avancer, même en ne tenant pas compte peut-être des erreurs de la carte de M. Kamara, pour qu'on avance. Sérieusement, s'il vous plaît. Allez-y. Tout à fait, monsieur. Oui, vous avez parlé de l'article 12, je ne sais pas ce que ça voulait dire. Ce contrat qui dit que la compétence en cas de litige est réservée au tribunal de commerce, alors que c'est un contrat de marché public. Oui, mais un contrat de marché public, ce n'est pas parce que des conditions particulières nous ont amené à faire ce marché de gré à gré. Et ce n'est pas parce que aussi un article dit qu'en cas de litige qu'on aille dans un tribunal du commerce, le tribunal du commerce, elle, c'est le judiciaire. On ne va pas à l'exécutif comme le législatif. C'est un marché. En cas de litige, on va au tribunal, c'est-à-dire on va devant une cour. C'est ce que ça veut dire. Ça n'enlève en rien que ce soit par appel d'offres nationales, internationales, consultations restreintes ou de gré à gré. Il y a, quand il y a litige, c'est généralement un tribunal de commerce. Ça peut être un tribunal de commerce de Paris, un tribunal de commerce de Conakry, etc. etc. Jamais. Non, j'ai dit. Un contrat étatique, jamais. Non, attendez, ne discutez pas sa réponse. Vous savez ce que vous pouvez en faire dans vos plaidoiries. Mais posez des questions. J'ai dit si c'est un tribunal. Faites vos observations sur les pièces et on avance. J'ai dit si c'est un appel d'offres international, c'est un appel d'offres local, de consultation restreinte. Mais quand l'international est impliqué, ça peut être le tribunal de Paris, même si c'est l'État. Le commerce
de commerce de Paris, même si c'est l'État, et l'État guinéen a été plusieurs fois la chambre d'arbitrage de Paris, une fois. Voilà, c'est l'État. Donc, Monsieur Camara, je continue mes questions. Dites-nous, Monsieur Camara, parce que lors des passages de vos collaborateurs, anciens collaborateurs, il a été dit ici que 3 milliards ont été utilisés sur le site et 6 milliards au compte des députés, 6 autres milliards seraient à la Banque centrale. Est-ce que vous confirmez cela? Mais absolument. Écoutez, il y a à terme de chiffres, comme je vous ai dit, je suis ordonnateur. Je ne pourrais pas vous dire combien de rames de papier on a acheté. J'étais au-dessus de ça. Globalement, et je répète, on vient de dire que c'est le solde de ceci, c'est le solde de cela. Les 6 milliards restés dans le compte, j'avais le plein droit de les utiliser entièrement sur le site pour les affecter à un autre besoin de l'Assemblée nationale. L'origine de la constitution des fonds à partir des différentes subventions, c'est qu'il revient à moi de qualifier le fonds pour telle ou telle utilisation, parce que c'est moi qui en ai l'ordonnateur. Si demain, on devait, dans les 6 milliards, il y avait un besoin de 5 milliards sur le compte, sur le site de l'Assemblée, rien ne m'empêchait de faire un chèque de 5 milliards pour amener là-bas. On n'allait pas me dire non, les 2 milliards sont venus de telle subvention, 2 milliards de telle. C'est comme une bouillabaisse. Tu ne peux pas dire d'où vient le gombo, d'où vient la tomate ou d'où vient l'oignon. L'essentiel, c'est une bonne bouillie. Oui. Vous savez, monsieur Camara, pour passer un marché public, il faut que l'autorité contractante ait la disponibilité du montant qui peut couvrir le marché. Alors que vous avez passé ce marché avant même de percevoir, après vous, avant même de percevoir les 15 milliards. Oui, mais ça, c'est la différence de management. Maître, vous convenez avec moi. Quand vous formulez ces gens de questions, vous le mettez en état. Parce que, ce sont. Non. Attendez, vous avez passé ce contrat avant ou après. Ce sont là. Ça, si vous pouvez même développer ça dans votre travail. Non. Monsieur le Président, non. Mais je suis. Non, il faut qu'on apporte des clarifications, Monsieur le Président. Si la Cour se sent fatiguée, on peut renvoyer cette affaire. Non. Mais c'est des questions qui sont importantes, Monsieur le Président. Des questions sur les pièces qui ont été produites tout à l'heure. C'est autour de cela que nous sommes. Si vous voulez, le tour des questions. Ne lui retirez pas la parole. Laissez-le intervenir. Non, Monsieur le Président, je voulais. Je donne moi 10 secondes. Vous ne pouvez pas prendre la parole, qu'on ait qu'ils ont la parole. Maître, vous savez quoi, nous ne pouvons pas se prendre. Non, il voit qu'à faire. Retournez-lui le micro. C'est lui qui a la parole. Attendez. Vous le. Oui. Retirez-lui. Puisque vous l'attaquez dans les pièces qui viennent d'être communiquées, alors que nous avions la parole, vous posez une question depuis l'avant-dernière audience. Donc lui, il est dans cette logique. Il n'a pas posé de questions. Ok. D'accord. Parce que tout à l'heure, non, attention, maître. Non. Sur ce point, on vient de le remarquer, même sur la chemise, on l'avait rappelé. Mais quand on posait la question au procureur, il nous a été rappelé, non, c'est les observations sur les pièces qui sont restées dans ce sillage, en oubliant qu'on avait rappelé déjà que l'affaire avait été renvoyée à date pour les observations des parties sur les pièces produites. S'il vous plaît. Pour la comparution effective de M. Michel Cavallo et la suite des débats, entre parenthèses, on a ouvert le parenthèse, question de la partie civile à Cavallo. Donc, il faut bien qu'on soit aussi dans le cas. Ça, il faut quand même reconnaître cet homme. Effectivement, ça nous a pas posé des questions. Ça nous a échappé. Ah. Sinon, si ce n'était pas ça, nous étions dans le droit de faire ça. C'est simple. Merci. Mec, ma belle.
première fois que vous avez raison. Merci, monsieur. Je suis capté parfois. Ouais. Merci, monsieur le président. Ce n'est pas vous qui appréciez la pertinence, monsieur le procureur. Allez-y. Monsieur Camaro. Monsieur Camara. Monsieur Camara, je voulais dire. Donc, les 6 milliards. Non, vous avez dit, votre question, vous avez dit, est-ce qu'on doit. Pourquoi on passe un marché quand on n'a pas l'argent? Oui. Voilà, maintenant je vais répondre à ça. Vous trouvez que ce n'est pas normal d'engager un contrat quand on n'a pas la disponibilité. Il fallait donc que j'attende que les 15 milliards soient là, alors qu'on m'avait dit qu'il n'y a même pas d'argent. Hein? Deuxièmement, c'est parce qu'on engage des travaux avant d'avoir l'argent qu'on appelle la dette publique. Et parfois, pour la Guinée, ça peut aller jusqu'à 4 milliards de dollars de réalisation dont on n'a pas payé, qui sont échelonnés dans le temps, pendant 15 ans, 20 ans, 30 ans. C'est ce qu'on appelle la dette publique. C'est ce que l'État fait, surtout les États pauvres comme le nôtre. Merci. Est-ce que vous savez que, contrairement à ce que vous dites, les marchés publics sont passés en application des règles très strictes se trouvant dans le code des marchés publics? C'est ça l'idéal, d'avoir le crédit disponible avant de passer un marché. Mais les pays pauvres, nous passons les marchés surtout ce qu'on appelle le préfinancement. Et c'est pourquoi on demande souvent, une des raisons pour de gré à gré, est-ce que vous avez le financement? On a la nécessité, mais on n'a pas l'argent. Est-ce que vous pouvez préfinancer? On vous paye à tempérament, par échéance. C'est comme ça. Et là, dans ces conditions, tu ne peux pas exiger absolument un appel d'offres ouvert quand tu n'as pas l'argent. Vous voulez dire que le contrat de gré à gré n'est pas un marché public? C'est une forme de marché public, mais qui a des exigences particulières. Tu n'as pas l'argent, tu as l'urgence. Entre autres, ce sont deux conditions qui font que l'on peut aller de gré à gré. Ou bien la solitude du prestataire, le monopole du prestataire. Vraiment, en Guinée, si tu veux passer un contrat pour tirer une ligne, tu ne peux pas organiser des marchés publics, même si c'est des milliards, tu n'as que EDG. Si tu veux tirer l'eau, tu n'as que la seigle. Je suis d'accord avec vous sur votre principe, voilà. Mais dans les détails, je vais en venir. Oui. Le contrat avec EDG, il y avait un sous-traitant. D'ailleurs, c'est à cette société que le paiement a été effectué. Oui, mais ça, c'est EDG qui lui a envoyé. Nous, on a payé à EDG. Non. Nous, on a demandé à... Non. C'est à cette société. Nous, on a écrit... Moi, je ne la connaissais même pas. Et pour vous dire aussi... On va en venir. Voilà. On va en venir. Pour vous dire aussi que je ne suis pas membre de la commission de passation des marchés publics à l'Assemblée. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Monsieur Camara, est-ce que vous savez que vous avez passé ce contrat en violation même de votre règlement? C'est moi qui l'ai fait. Pas du tout. Pas du tout. Le procureur l'a lu, mais pas du tout. Oui, dans votre règlement, il est dit que pour des contrats dont les montants sont égaux au supérieur à 1 milliard, il faut passer un marché public. Dans le code des marchés publics, encore une fois, je dans votre règlement d'ailleurs. Je dis, si vous permettez, je peux répondre. Oui. Je vous dis encore, je répète, dans n'importe quel code de marché public, il y a l'appel d'offres ouvert, national ou international. Il y a des consultations restreintes de quelques spécialistes qui ont l'habitude d'agir sur le marché. Et il y a le marché gré à gré en cas de monopole, en cas de manque de fonds ou en cas de disponibilité. Donc, tout ça là, toutes ces règles font partie de la passation des marchés publics. Ça n'enlève en rien le caractère public à un marché qui soit passé de gré à gré,
Il y en a beaucoup actuellement. Ce n'est pas gré à gré parce qu'il n'y a pas d'argent. C'est gré à gré, etc., etc. Est-ce que vous pouvez viser la disposition qui vous autorisait à passer un tel marché, d'un tel montant de gré à gré? La disposition, même dans le code, règlement intérieur, même dans le code de marché public, même dans le code de marché public, je viens de vous édicter les différentes formes de passation de marché public. Vous faites un appel d'offres ouvert, vous faites une consultation restreinte parmi les spécialistes, ou vous faites de gré à gré, surtout quand vous n'avez pas d'argent et que vous avez une urgence qui ne permet pas, qui ne vous donne pas le temps de respecter toute la procédure de passation de marché avant que vous ne perdez l'affaire. Dans ce cas précis, encore une fois, qu'il vous souvienne que les Chinois nous avaient donné, je crois, 90 jours avant notre élection pour pouvoir leur donner un terrain viabilisé. Imaginez-vous que je demande à ceux qu'on nous donne de l'argent pour faire ce genre de travaux, qu'on me dise il n'y a pas d'argent, l'État n'a pas d'argent, et que je m'asseye et j'attends un an, on aurait perdu le marché, on aurait perdu le prêt peut-être. Il y avait ce risque, surtout que c'était noir sur blanc. Ça pourrait compromettre. Et pour moi, il ne fallait pas compromettre un don de 40 millions de dollars à la Guinée pour 180 000 dollars. Monsieur Kamara, donc les choses ont été précipitées par vous, mais jusqu'à présent, on n'a pas de siège de l'Assemblée nationale. Oui, mais... Maître, excusez-moi, mais je le regrette. Non, attendez. Notamment des coupures de journaux que nous allons vous fournir à l'homme pour dire que, effectivement, cette question a de l'intérêt. C'est très important. Pour dire qu'aucune urgence n'était liée à ce projet, on peut vous produire. Heureusement que c'est des propos de M. Amadou Damara à l'Assemblée nationale il y a 3 ans de cela. On peut fournir des coupures de journaux qui attestent du contraire de ce qui. Donc la question a tout son présent dans le président. Très bien. Maître, allez-y, formulez la question. Oui. C'est à lui de répondre à la question. Reformulez. Oui, M. Damara. Oui, maître. Vous avez dit ici que c'est parce qu'il y avait la pression des Chinois que vous allez voir la société de M. Kim et passer le contrat de gré à gré. Et vous savez que le contrat de gré à gré est un contrat exceptionnel. Donc, l'urgence dont vous parlez, c'est par rapport aux Chinois qui voulaient retirer le contrat, si ce n'est pas signé. Mais non. Vous avez signé ce contrat et à jour. Je n'ai pas dit ça. Non, attendez, ne l'interrompez pas. Ah, et à ce jour, il n'a pas fini. Allez-y. Oui. Et vous avez signé le contrat pour un cas d'urgence, mais jusqu'à présent, il n'y a pas de siège de l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il y avait donc urgence pour faire recours au contrat de gré à gré? Je peux? Oui. Ok, merci maître. Encore une fois, quand il y a un don, le bénéficiaire du don ne peut pas être trop exigeant. Ils vont à leur rythme. Monsieur Thomas, s'il vous plaît, avant de vous terminer, vous avez parlé de prêt, mais maintenant,
maintenant vous parlez de don. Maintenant, j'ai rappelé ici. Chaque mot a son besoin d'or chez nous. Mais si vous me permettez, si vous me permettez, mais attendez, je n'ai jamais dit, je n'ai jamais parlé de la part des Chinois de prêt. C'est un don. Mais dans le don, il y a des choses qui reviennent à la Guinée. Encore une fois, je vais vous rappeler qu'il y avait eu un premier siège, un premier site plutôt, qui nous avait été alloué. C'est en 2020 ou fin 2019. Ça, c'est un projet qui traîne depuis la 8e législature. L'espace qu'on avait était juste derrière le ministère des Affaires étrangères. Entre-temps, il y a une société ivoirienne qui devait viabiliser l'ensemble du plateau de Koloma, qui nous a réaffecté un autre espace dans les mêmes dimensions, 36 000 mètres carrés, 3 hectares et demi à peu près. Monsieur le Président, j'en arrive. Excusez-moi de vous interrompre si le Président accepte. C'est pour des mesures de sécurité. Tout à l'heure, on vous a dit que la maison centrale fermait à 16 heures. Et vous rappelez que M. Amadou Namoro Camara n'est pas un prévenu libre, il est détenu. Donc, considéré comme tel, et on doit le retourner de ce qu'on a juste occupé, où il suit les soins. Donc, c'est de dire que pour des mesures de sécurité, il se fait assez tard. Et la deuxième raison, c'est que la mesure que vous avez entreprise tout à l'heure, quant à la tenue de l'audience de demain, ben, tenez-vous bien que c'est à moi tout à l'heure d'aller au bureau et de formaliser les actes, puisque j'assume l'intérim du procureur. Donc, sur ces deux points, j'aurais bien voulu que vous acceptiez de renvoyer cette affaire. Je vous remercie. Bien. On va tout à l'heure apprécier tout ça. Toujours est-il que pour votre sécurité, il n'y a rien à craindre puisque. Non, je dis. Moi non plus. Pour leur sécurité, pas vous. Vous n'irez même pas là-bas. Vous êtes là dans votre bureau climatisé. Donc, tout à l'heure, mon garde rapproché là. Ce n'est pas officiel. C'est le garde pénitentiaire, le garde pénitentiaire qui sont habilités. J'ai bien compris votre aide, mais nous refusons cette aide parce qu'en cas de problème, c'est nous qui sommes responsables. Je voulais juste attirer l'attention de la Cour que pour des mesures de sécurité, cette charge revient au garde pénitentiaire, si vous acceptez. D'accord. Mais acceptez que l'on finisse ce qui est déjà entreprise là. On finira ça. Monsieur le Président, je voudrais insister pour les mesures de sécurité. On finit ça maintenant là, la Cour va apprécier tout ça, hein. Je voudrais que vous teniez compte des mesures de sécurité, Monsieur le Président. C'est dans l'intérêt, en fait, de la Cour que je pose ce problème. D'accord. Ce risque, peut-être que vous n'en mesurez pas. Nous sommes représentants de la société, nous mesurons le risque. Et permettez-nous d'insister que M. Amadou Namoro n'est pas un prévenu libre, bien qu'étant détenu. Normalement, même lui, à 16 heures, il devrait se retourner. On a fait violence sur nous-mêmes pour continuer avec lui. Acceptez cela. Vous l'avez déjà dit. Monsieur le Président, par rapport à ce que le parquet a dit, moi-même, je voudrais vous faire savoir que je n'ai même pas posé 10% de mes questions. Lorsque le combat est terminé, on ne peut pas terminer tout de suite. On ne peut pas terminer, vous étiez sur une question. Ah oui. Formulez là, parce que vous étiez là, là-dessus. C'est la Cour qui apprécie la nécessité de suspense. Allez-y. Oui. Monsieur Camara, je me reprends encore. Oui. La question. Par rapport à ce 15 milliards et le marché public passé avec la société de M. Kim. Vous parlez de l'urgence. Oui. Pour vous souvenir maintenant. Est-ce que l'urgence dont vous faites cas vous dispensez de respecter les règles établies par vous dans votre règlement intérieur. Bon,
Merci, maître. Je vous... Et pour vous faciliter la tâche, M. Camara. Non, laissez-la moi. Je vais me la faciliter moi-même. Ça, je vous promets. Ce que je vous dis, et j'étais en train de dire, j'ai été interrompu, c'est qu'on a eu un premier site. Le deuxième site qu'on nous a donné, quand on a informé la partie chinoise, elle n'était pas du tout contente. Et ce n'est pas par, verbalement, elle a écrit pour dire dans tel nombre de jours, si nous n'avions pas un terrain viabilisé, net de toute occupation matérielle et humaine, pourrait compromettre le don. Ils n'ont pas dit ça va compromettre, ils pourraient compromettre le don. L'urgence était quoi? Premièrement, prendre vite le nouveau site, parce que nous savons, après combien de luttes, on a eu le premier site. Et je vous ai dit que sur ce site-là, ce n'était pas à viabiliser seulement, c'était des maisons à peine démolies là-dessus. Et ma dernière conversation avec Castor, c'est ça la société, hein, Castor, c'est qu'ils étaient à plus de 200 camions de 80 tonnes de gravats à jeter loin de la ville. Donc, quand j'ai demandé à avoir de l'argent pour pouvoir faire face à tous ces besoins, on m'a répondu qu'il n'y a pas d'argent. J'avais le choix, hein, comme vous voulez, là. Bureaucrate, je laisse tomber, le président dit qu'il n'y a pas d'argent. Je continue le fonctionnement de l'Assemblée. S'il y a eu un siège, tant pis, s'il n'y a pas, tant pis. J'ai dit non. Je prends ça et je fais ça pour que ça ne soit pas de notre côté, que ça soit du côté des Chinois. Et aussitôt qu'on a fini, s'il vous plaît, aussitôt qu'on a fini, il y a eu des films même, les Chinois sont venus pour travailler sur le site. Et ils ont refait toute la maquette qui a été même discutée après nous là par le CNT. Un tel projet, il y a beaucoup de va-et-vient. Mais pourquoi on n'a pas de siège aujourd'hui? Peut-être que vous êtes plus fort, vous êtes l'autorité, vous pouvez demander à la partie chinoise. Monsieur Kamara, vous parlez d'urgence. Alors que vous-même, vous venez de dire ici que vous pourriez manier les fonds, les 15 milliards, je veux parler des 15 milliards, que vous pouviez les manipuler parce que le site devrait prendre fin dans 3 ans, vous l'avez dit. Mais le contrat même passé avec la société de Kim, la durée est de 45 jours. Oui, mais... Alors que vous dites non, il vous était... pouvez rembourser dans 3 ans. Le cycle de construction du site, c'est 36 mois. Mais la préparation du terrain, ce n'est pas 3 ans. Il faut avoir un terrain préparé pour que la construction commence et que les 3 ans commencent. C'est le cycle de construction. Ce que la société Castor a fait sur le site n'a rien à voir avec le contrat avec les Chinois. Et ils demandent à avoir un terrain nu, viabilisé, prêt à recevoir le palais de l'Assemblée. C'est ça, ça n'a rien à voir avec le cycle de construction. Qu'on amène de l'eau, qu'on amène. On est d'accord, il n'y avait aucune urgence. Il y avait urgence, super urgence même. Parce qu'il y avait un délai, il n'est pas inventé. Hein. C'est une lettre officielle de l'ambassade de Chine à l'Assemblée pour dire à 60 jours, nous devons avoir un cycle viabilisé. Ça ne peut pas être plus urgent que ça. Vous prenez une partie de cet argent et comptez, hein, faire la compense dans 3 ans, alors que vous n'avez que 65 jours d'après vous. Oui, mais les 15 milliards n'étaient pas payés encore, monsieur le maître. Ils ont été payés un an après. Il fallait attendre ça. J'ai bien fait d'anticiper, de préfinancer. C'était la cour, finalement, vous allez vous laisser prendre la mesure qui va suivre. Vous savez où vous êtes arrivé pour pouvoir vous poser une question. Oui, nous avons une proposition à faire pour votre goût du coup. Et je
demande la parole, Monsieur le Président. Oui, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Et sur le renvoi, à défaut de tenir l'audience demain dans cette affaire, nous proposons la date du jeudi. Il vous plaît prendre disposition à ce qui est fait. Je pense bien que les confrères aussi n'auront pas de difficultés en fonction de votre calendrier et celui du ministère public. Allez-y, allez-y. Monsieur le Président, pour ma part, je vais un peu me désolidariser. Je voudrais bien peut-être qu'on va me juer, mais je voudrais qu'on prenne un samedi ou un dimanche pour terminer ce dossier. Parce qu'on parle de jours spéciaux. Les autres jours sont ordinaires et des jours d'audience. Si on veut un jour spécial, qu'on prenne un samedi ou un dimanche. Et vous pouvez l'ordonner, Monsieur le Président. Je vais dire autrement alors, Monsieur le Président. Merci. Vous n'allez même pas le dire autrement. Oui, je disais que, comme l'a dit l'un des conseils de M. Amadou Gamara, Camara, c'est bien que vous choisissiez un jour, comme tout à l'heure dans la précédente affaire, pour que toute la journée nous en débattions éventuellement pour que nous en finissions. Et pour cela, Monsieur le Président, ça peut être jeudi. Tout comme le lundi prochain, mais que ce soit seulement au rôle de cette affaire. C'est ce qu'on veut dire par jour spécial. Je vous remercie. On peut très bien prendre un samedi, dimanche, mais vous savez combien de fois nous travaillons ici. Et dimanche, c'est notre jour de prière. Samedi, il faut quand même que la famille nous retrouve quand même. Les jours ordinaires, on peut trouver une date telle que ce sera formulé tout à l'heure. Ne pas encombrer la date, on essaie de. Il ne reste pas grand-chose dans cette affaire. Nous osons voir. Oui. Comme vous aussi, vous êtes une surprise. Les avocats sont une surprise aussi. Donc, on va essayer de voir. Et. Donc, votre attention, s'il vous plaît. La Cour envoie cette affaire au juge 21 décembre 2023 à 9h00 pour la suite des débats, notamment sur la partie civile à la 21. 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 21